Mesdames, messieurs, peuple congolais, dans la société, l'individu, quel qu'il soit, a besoin de repères. On parle souvent de repères moraux, c'est-à-dire la barrière entre le bien et le mal. On parle aussi de repères culturels, c'est-à-dire la culture à laquelle l'on appartient. On parle aussi des repères philosophiques, ce qu'on appelle parfois la réflexion, la sagesse. Pas dans le sens de transformer les gens en ce qu'ils ne sont pas, mais plutôt à accompagner leurs expériences de vie. On parle aussi de repères politiques. N'oublions pas de repères sociaux. Et voir sociétal, ce qu'on appelle vulgairement la civilisation. La civilisation occidentale, orientale, asiatique et compagnie. Mesdames, Messieurs, peuple congolais. Donc, l'individu dans une société a besoin donc de repères. Parce que sans repères, l'individu ou la société à laquelle appartient l'individu est comme un ordinateur sans programme, comme une ampoule sans électricité, comme une âme sans conscience. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, la parodie de guerre entre Tomi et Denis Sassou Nguesso, et quel repère politico-criminel ce dernier va-t-il laisser à ses détracteurs, au futur bourreau du clan ou du régime, à toute cette jeunesse au manque de repères, et n'oublions pas au futur acteur politique du Congo-Brazzaville après la chute de M. Sassou Nguesso ou après la fin de la dictature de Sassou et de Nguesso. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, vous savez bien qu'un père qui bat sa femme devant ses enfants apprend souvent la violence à ces derniers. Ces enfants, un jour ou l'autre, deviendront des adultes. Et tiens, ça recommence sur d'autres victimes. On appelle ça le cycle de la violence. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, je me demande quel repère politico-criminel ça souvent laisser à ses détracteurs, à ses futurs bourreaux et compagnie. Eh bien oui. Mais parce que, bon, mais les gens se demandent, oui, donc on peut perdre une élection ou chercher à conserver le pouvoir et trouver le prétexte, oui, le prétexte de conserver le pouvoir, donc aller faire une diversion. C'est-à-dire aller provoquer des crimes, une guerre asymétrique, du terrorisme d'État. Et voilà quel repère dans lui. Ah tiens, Sassou va nous laisser sur un plateau d'argent, ce qu'on appelle du caviar. Pour certains, c'est un bon plan. Et demain, on peut dire, ah tiens, ah oui, mais les gars là, oui, bon, on va faire comme un Ikongolo. Ah oui, aller chercher un piranga ou comme ça, dans ces gens-là qui nous ont. Voilà. Ou aller chercher un pasteur Toumi dans ces gens-là, il n'y a pas de.
n'y a pas de pasteur sur le clan de Sassou. Donc, oui, il y en a. Bon, allez, on connaît les scénarios, on connaît comment ça fonctionne. Donc, vous voyez quel repère. Donc, je suis là, je me suis qu'il a un comme un lanceur d'alerte, puis comme un éveilleur de conscience. Parce que Youlou l'avait pourtant dit déjà, on s'entend, un jour ou l'autre, nous aurons à la tête de ce pays un fou. Et j'ai toujours dit que si ce fou-là est Sassou, mais qui ne dit pas qu'il y aura encore un peu plus fou? Sassou, puissance 10, 20, 30, 40, 100 000. L'histoire se répète souvent. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, le poule, oui, le poule, le département du poule, tant de morts pour rien, une parodie de guerre, pour un accord bidon entre deux complices, Toumi et Sassou Nguesso. Dommage. Ce que j'ai lu dans les médias et réseaux sociaux. Le problème, c'est que c'est pas leur accord bidon qui s'est demandé, c'est pas leur accord bidon. Le problème, c'est que bon, mais pourquoi aller infliger des souffrances gratuitement à une population qui n'en demandait pas ça, qui n'en méritait même pas ça? Pourquoi Sassou et son complice Toumi ont-ils détruit des vies? On parle de plusieurs, de 3 000 morts gratuitement. Déplacer des populations, on parle de plus de 120 000 individus déplacés. Et n'oublions pas que toute la partie sud du département du Poule, de la région du Poule, est plus ou moins hors service. Donc, sans école, hein, donc l'éducation zappée, donc on fabrique des illettrés de demain. Je ne sais pas pourquoi cet acharnement. Bon, n'oublions pas le problème des soins, aussi des activités économiques. Et pourquoi tant d'harcèlement ou d'acharnement ou des haines gratuites envers un peuple qui ne méritait pas ça? Mesdames, Messieurs, peuple congolais, vous savez que aujourd'hui, on ne peut plus raisonner Sassou Nguesso. Impossible. Il faut plus le raisonner. Il est carré, il est droit dans son état d'esprit, politico-criminel. Le pouvoir, c'est les autres qui ont tort, les autres qui l'emmerdent. Les gens sont méchants contre lui, envers lui, mais lui non. Donc on appelle ça, c'est des caprices, un peu comme des caprices de l'enfance. Donc, cela veut dire que son système limbique, c'est-à-dire le cerveau des émotions et de la formation de la mémoire, est quelque part resté au stade juvénile. Parce que les caprices sont là, ils ont toujours la faute aux autres, c'est eux qui me font mal, alors que lui, non. Il ne se rend même pas compte. Donc, il est désormais impossible, même presque inutile, de raisonner M. Denis Sassou Nguesso. Ça ne sert à rien. C'est-à-dire, vous n'avez que deux choix. L'obéissance ou l'action. Dire non, on continue à se battre contre lui. C'est tout. Il ne faut pas aller. Il faut pas. Faut se soumettre, c'est tout. Vous allez vous soumettre, c'est tout. Comme si ce peuple congolais, bantou à l'échelle congolaise, n'existait que pendant lui. Et même pas avant, et ce sera même plus peut-être après lui. Donc vous voyez déjà. Donc, nous sommes en présence d'un malade mental qui a des soucis, et, au niveau du cynisme, paranoïaque, hystérique et compagnie. Donc, nous sommes individuellement et collectivement en danger. Donc, ça ne sert à rien de raisonner M. Denis Sassou Nguesso. Déjà sur son passif et aussi de ses actifs aujourd'hui, c'est-à-dire son mandat illégal et illégitime avec tous ses crimes économiques et aussi humanitaires, tout ça, il ne se rend pas compte. Non, c'est pas, voilà, c'est pas le même état d'esprit. Mesdames, Messieurs, ce qu'il faudra bien sûr raisonner, c'est tout justement ses enfants, sa famille,
s'enclenchent au pouvoir et n'oublions pas ces dignitaires. Et tout ce monde-là, sauf si et seulement si ils ont encore une âme et une certaine conscience. Parce que vous savez ce qui distingue fondamentalement l'homme de l'animal? Oui, ce n'est pas l'intelligence, c'est tout simplement l'âme et la conscience. Parce que nous sommes conscients de nos actes, habitudes et comportements. Les animaux ne sont pas conscients de leurs actes et comportements. C'est l'animal, l'instinct commande, l'animal obéit. L'animal est l'incarnation d'une totale servitude à la nature. On ne peut parler d'être humain que pour un être qui s'est affranchi du déterminisme naturel. Et d'ailleurs, pour parler d'un être qui est dans l'histoire humaine ou de la civilisation, que pour quelqu'un qui s'est affranchi de la sauvagerie, de la barbarie, et qui respecte les règles communes, les institutions, constitutions, qui connaît le sens de l'intérêt général, qui sait distinguer le bien public du bien privé, il connaît, quant aux affaires, l'intégrité physique, le caractère sacré de la vie humaine et compagnie, le but de la condition humaine, et tout ça, il doit voir ça dans son cerveau. Mais là, qu'est-ce là? Donc, c'est eux, si, au sein de l'oligocratie ou du Sassoulande, s'il y a encore des gens, donc, c'est eux qu'il faudra raisonner. Bon, parce que, pourquoi? Parce que Sassou va leur laisser quand même un lourd héritage. Ils auront une lourde charge du passif des Sassou. Ils auront une lourde charge du passif des Sassou. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, savez que Sassou croit que le pays est sa propriété et qu'il va rester là jusqu'au bout, jusqu'à la fin de sa vie, qu'il va léguer ça comme une vulgaire parcelle de famille, un truc d'héritage. Et voilà, c'est comme Adolf Hitler croyait que le troisième Reich allait durer 1000 ans. Mesdames, Messieurs, vous savez que toute chose a un début et une fin. Et la dictature de Sassou et de Nguesso d'ailleurs. Sassou, oui, je vous informe, Monsieur Sassou, transmettez-lui ce message. Monsieur Sassou, que vous êtes venu trouver ce pays, le Congo-Brazzaville. Il existait avant vous. Il existera peut-être après vous. Mais on ne sait pas dans quelles conditions et dans quel état d'esprit. Bon, la condition, dans quelles conditions vous allez laisser ce pays, oui, on le sait. Un pays en faillite, surendetté, le peuple aux arrêts. Un pays en risque d'explosion et d'implosion, c'est-à-dire la scission. N'oublions pas que ça c'était une poudrière durable, alors qu'on ne méritait pas ça. Bon, dans quel état d'esprit? Pardon? L'état d'esprit, oui. Pourquoi l'état d'esprit? Oui. Vous savez que dans toute relation humaine, qu'elle soit amoureuse, politique, civile, professionnelle, compagnie, il y a les mots confiance, méfiance et défiance. On fait confiance à quelqu'un. Si on n'a plus confiance, on rend de la méfiance. Et si la méfiance devient répétitive, on rend de la défiance. Mais en réalité, la défiance est déjà l'expression, ou la défiance est l'expression même qu'on appelle la haine ou la violence, autre, c'est l'expression de ce que vous avez enfoui. Dans votre mémoire et conscience, votre histoire, hein, histoire, hein, qui soit politique, économique, sociale et autres. Donc, l'environnement à laquelle on a vécu impacte souvent sur le comportement, les habitudes de l'individu. Mesdames, Messieurs, l'état d'esprit, ça souvent laisser le Congo dans quel état d'esprit? Les Congolais dans quel état d'esprit? Vous savez que Sassou n'a pas le monopole de la violence. Il doit le savoir. Moi, je ne suis qu'un lanceur d'alerte. Oui. Je ne suis qu'un lanceur d'alerte. Vous n'avez pas le monopole de la violence. Vous n'avez pas le monopole de ce que vous avez fait depuis presque 40 ans. Vous avez une chance de détruire ce peuple. Très bien. Pour vous. Mais malheur pour le peuple d'avoir eu une mauvaise rencontre avec cet individu.
d'avoir été trop naïf envers cet individu. Mais ça ne va plus se faire. Et je vous informe, c'est la réalité. Le peuple et tout ce qu'il cherche, c'est comme le jeu du chat et de la souris. Le jour 29, pouf, je lui dis, gendarme, voilà, ça y est, on l'a arrêté, ça sort. Et là, ça y est. Je vous dis que vous n'avez pas le monopole de la violence. Vous connaissez l'Afrique. Comment l'Afrique est partout, dans l'espace et le temps. Donc, je ne suis qu'un lanceur d'alerte. Et ce qui se prépare contre vous et votre famille sera dramatique. Dramatique. Donc, il vous appartient, comme vous le faites, avec quelques réussites d'ailleurs. Continuez à maintenir ce pays, puisqu'il va vous rester jusqu'à 100, pendant 100 ans. Ok? Mais si ça tombe, vous avez des ennemis. Vos futurs bourreaux sont au nord, au sud, à l'est, à l'ouest. Je vous informe. Je ne suis qu'un lanceur d'alerte. C'est le bruit de fond. Et que vous n'avez pas le monopole de la violence. On vous a raisonné. Du point de vue, laisser des lettres de rappel. Politique, quitter le pouvoir. Faites ceci, faites cela. Mais non. Je dis qu'il est là. On a dit, quand les injures, les menaces et les mots ne suffisent plus, que le danger est proche. Vous avez apporté la mort aux autres. Et ce que les autres cherchent aussi. Oui, on va se retrouver face à face sur les rapports de force. Entre vos victimes. Et ceux qui chercheront à faire la paix seront déclassés. Le but sera pour eux de vous punir tous les clans. Encore pour des années. Donc, vous pouvez vous battre pour sauver votre régime. Continuez, puisque vous n'avez pas le monopole. Le Congolais, l'Africain est violent. Et vous connaissez que vous allez laisser sur un plateau d'argent toutes ces méthodes de la barbarie, de la sauvagerie et autres, mais qui ne seront pas utilisées contre le peuple, contre vous-même. Ça, c'est les informations que j'ai. Contre vous-même. Contre votre clan à enfants, petits-enfants. Quelqu'un de là m'avait dit quelque part, il me dit, oh, ailleurs, imaginez que ça se tombe. Nous mettons 5% du produit, 5 à 10% du produit intérieur brut congolais pour les services secrets congolais réformés avec tous les moyens que nous allons disposer. En faisant comme les sionistes ont fait aux nazistes, je ne sais pas, vous allez vous retrouver où? Il a dit, oui, mais peut-être qu'il va se trouver à. Qui sait ça ou quelque part en Afrique avec maison, villa, autre qui vient comme ça, explosion, boum! Où est-ce que ça a explosé, non? Services qu'on ne sont pas au courant. Donc il a donné tous les scénarios qui sont là. Mais attention, ne parlons pas l'Europe, l'Occident, ils ont aussi leurs scénarios. Ils vont en découdre, protéger le peuple congolais. Mais on vous attaque, vous attaque. Donc, d'où l'enjeu de chercher des séquences atténuantes. Et maintenant, puisque, ce que je vous ai dit, Sassou a utilisé les moyens colossaux de l'État, qui sont les moyens de la police, des armées, et qu'il a transformé en une armée de mercenaires, de la justice, du renseignement, de la diplomatie, et tous ces moyens-là. Mais, ces moyens-là, à tout instant, peut devenir au souverain peuple ou à un fils du peuple, mais sachant que tous ces gens qui seront aux affaires du commandement de tous ces moyens, c'est vos victimes. Ils seront ministres de la Défense, ministres de la Sécurité, tous les services secrets, comme là, congolais, et tout ça, vous allez vivre où? Non, on ne fait pas du mal aux autres comme ça gratuitement, comme disait Mandela. Vous serez toujours victime de l'étroitesse d'esprit. Et c'est ça. Ce qui vous devrait peut-être arriver. Je ne suis qu'un lanceur d'alerte qui vous réveille. Parce qu'il y a tellement, c'est comme un iceberg. Voilà. Je ne suis que la petite partie émergée qui vous donne les signaux d'alerte. Mais il y a des gens dans l'ombre qui ne veulent même pas qu'on en parle. Parce que ce moment-là, on dirait la grande coup de récré criminel s'est terminée contre nous. Maintenant, nous allons vous attaquer. Partout où vous serez dans le monde. Et donc, je vous ai parlé de ceux qui sont là. Donc,
Faites attention parce que les choses sont en train de se préparer sur vous. Parce que déjà dans 97% des cas, c'est ce qui va se faire. Vous avez des ennemis partout. Même dans la cuvette. Parce que ça va continuer. Je continue à faire le déni du crime. Dans le pool, on cherche dialogue bidon. On peut donc aller, moi je suis président, je demande à l'officier présidentiel, oui, qu'est-ce qu'on peut faire pour faire la diversion. On va aller chercher des individus et les placer quelque part. Et on a les méthodes, on a tout, on va mettre les gens, on divertit la communauté internationale et on fait qu'on puisse, on fait, mais donc on s'attaque. Oui, ça va se faire. C'est ça le problème. Vous avez livré sur un plateau d'argent ces méthodes. Souvent, les pays qui sortent des dictatures les plus antisociales et criminogènes, souvent ces régimes deviennent aussi souvent criminels parce qu'ils ont tout sur les méthodes d'action. Mais pas contre le peuple, mais contre des individus cibles dans l'espace et le temps. Partout dans le monde, où ils seront. Vous imaginez. Bon, en réalité, je vous dis que méfiez-vous des apparences. Méfiez-vous des apparences. Au nord comme au sud, est, ouest, les gens ont la boule. Les gens cherchent les moyens, tous les moyens. Continuez à faire votre diversion. Le peuple a le temps et la montre. Celui qui contrôle le temps contrôle la montre. Donc à tout instant, le peuple, c'est tous ces gens qui seront là. Il est énormément parce que au fur et à mesure, rien ne marchera plus. On peut vous donner l'argent par les banques Lazare, vous donner l'argent par le Fonds monétaire international. Tout ça ne marche pas. Puisqu'on est en méfiance et en défiance entre nous. Personne ne le fera. Donc c'est l'argent qui vient pour vous acheter les armes, peut-être faire votre achat de conscience. Vous ont été le régime peut-être 2018, 2019, 2020, 2020. Ça, le pays ne marchera plus. Regardez là, il reste que les ressources naturelles, le bois, que vous allez couper abusivement. Les gens vont piller, vont dans la découpe ces forêts qui perturbent tout le bassin du Congo au niveau de la biodiversité forestique, parce que nous sommes quand même le deuxième bassin le plus. Le deuxième poumon d'oxygène de la planète. On détruit ça à cause d'un dictateur. C'est pas grave, hein? Peut détruire, puisque le monde veut ça. Puisqu'on veut le complice de ce monsieur. Il reste quoi? Le pétrole? Et aussi quelques minéraux que vous êtes en train d'exploiter? Ouais, pillez, pillez, pillez. Mais vous allez laisser du poudrier, les villes déjà déclassées et tout ça. Donc, personne, ça ne va plus marcher. Parce que ici, les gens acquis une expérience du lobbying contre le régime, que ce soit sur les médias, les réseaux sociaux, sur les actions des terrains, des gens commencent à travailler sur ça, mais ça ne marchera pas tout aux yeux du monde, parce que tous ceux qui utilisent ces moyens pour vous soutenir, c'est des gens demain, c'est des institutions ou des individus demain seront nos ennemis, c'est connu. Ceux qui vont, qui dînent avec Sassou Nguesso, ils sont fichés par les services de la résistance. Demain, bon, on pourra faire comment les traiter, où est-ce qu'ils sont en Afrique? Il pourra avoir des embours en partant en Afrique. Ah, tiens, il nous a réglé le compte contre notre pays. On va les foutre à Cuba, quelque part en Afrique, là où il va aller, ou tout ça. Il y a des gens qui donnent des idées vraiment. C'est des anciens agents de vos services qui sont là, les services secrets du Congo. Donc, tous ceux qui sont fichés aujourd'hui avec Sassou, qui vont dîner, qu'ils soient juifs, arabes, autres, faites votre boulot. Continuez, vous avez un papa zinzin, pays zinzin. Et que les noirs qui vont chanter pour Sassou, qui faites-vous. Mais demain, c'est des choses qui vont passer dans l'ombre. On ne sait pas où est-ce que ça vient, où est-ce que j'ai eu cette embrouille. Donc, je ne suis qu'un lanceur d'alerte. Donc, arrêtez de faire, parce que là-bas, c'est une question de vie et de mort d'abord. Puisque avant de récupérer le pays, il faut qu'il y ait des survivants. Mais là, ils sont en train de détruire, tuer, 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 tuer. Donc, nous, le but est d'abord de sauver les vies. Et après, quand il y aura sauvé les vies, après, on arrête notre liberté d'identité, on récupère notre pays. C'est ça l'enjeu. Donc, on le sait, c'est des cycles, comme on l'appelle les cycles de vie, énergie, matière. Donc, c'est un cycle, hein, comme la naissance, on grandit, on meurt, et autres. Oui, il y a un début et une fin. Tout ça, c'est des cycles. Donc, méfiez-vous des apparences en réalité pendant la chute de Sassou Nguesso, ce qui va se passer, déjà la justice, ça c'est sûr. Après, il y aura les problèmes des devoirs de mémoire pour choquer, hein,
trouver les charniers, trouver tous les trucs pour montrer que voilà, montrer à la population, ça sera un truc de communication, de tous les trucs pour montrer que vous intéressez la population, que voilà comment agir le régime. Donc partout les médias, partout sera invité, il n'y a pas un seul média au Congo qui n'aura pas un charnier ou qui a eu cette histoire qui ne va pas arriver, sinon il y aura des problèmes avec la. Hein? Donc, n'oublions pas les caisses de l'État. Donc on va inviter tous les Congolais à venir au trésor public, voir comment les caisses sont vides et voir la dette avec les états généraux de la nation, qui différents états généraux. Il y aura un total une dizaine d'états généraux qu'on va faire après les décisions de ces états généraux. Ça, on va en faire des routes par les ministres concernés et qui vont appliquer ça en créant d'abord des outils d'aide à la décision et en cherchant des arbitrages, des positionnements, des synergies et tout ce qui sera de la gestion de haut. Bon, déjà, la première, c'est la justice, devoir de mémoire. Et troisièmement, c'est tous les états généraux de la nation pour restaurer l'État et son autorité, et surtout restaurer l'euro. Et la quatrième, c'est la chasse à l'homme. Ça, c'est sûr et certain. Oui? Si je dis ce je dis qu'il est débrouillé, vous avez fait ça, ça sera la chasse à l'homme. Si vous dites, ça ne cache pas. Vous l'avez dit là comme tête internationale, non? Bon, les amalgames sont déjà trouvés. Regardez ce qui s'est passé en 97 à deux jours, à nos jours. Ça ne soit pas fait ça. Vous allez parler à un comité international alors que le peuple est OK. Toute la liberté revient. Mais les agents vont travailler dans l'ombre pour faire cette chasse à l'homme contre ces gens-là. La chasse à l'homme. Je vous dis sincèrement. Donc, vous l'aurez compris. Donc, continuez à faire votre jeu. Dénier vos crimes. Et les autres, demain, ce sera des outils d'amalgame, du négationnisme et d'action. Donc, je ne suis qu'un lanceur d'alerte. Donc, la situation du pays, le Congo ne méritait pas ça. Un pays aussi riche, 60% de forêts de type Amazon. N'oublions pas les minerais qui ne sont pas encore découverts. Découvrons les bois précieux. Nous avons l'eau, les déserts des régions hydrographiques du continent. Nous avons les savanes. Nous avons une culture. Un pays seulement de 5 millions d'habitants. Avec toutes ces intelligences, ces cultures et autres. Non, il y a un problème. Donc. Je vous laisse avec la pensée d'Alain Mabankou, qui a écrit ça, parce que c'est un intellectuel quand même. Je vais trouver sa pensée, qu'est-ce qu'il a écrit. Alain Mabankou a dit quelque chose de très intéressant que j'ai retenu. Il a écrit ceci, il a dit ceci. Quand je pense à l'Afrique, je vois un passé décomposé, un présent en déliquescence. Et un futur incertain. Eh bien oui, il a raison. Surtout à l'échelle congolaise, c'est le passé de Sassou, avec tous ces crimes économiques et de sang et autres, comment nous allons gérer ça? Si eux-mêmes aujourd'hui ne prennent pas les responsabilités et ne pas faire le dialogue qu'ils veulent faire avec tous ces pays, ils peuvent aller faire leur dialogue, oui, allez-y, allez-y. Oui, allez le faire. Mais c'est un dialogue inclusif, Sassou dégage. Point barre. Nous trouvons les circonstances où les placer, ou comment les traiter dignement. Il n'y a pas besoin de lavement des mains, d'oubli. Non, il n'y aura pas ça. C'est parce qu'un peuple qui ne punit pas ses bourreaux sera toujours dans la récurrence des mêmes erreurs et des mêmes horreurs. Et c'est ça. Un peuple qui n'a pas de mémoire sera toujours dans la récurrence des mêmes erreurs et des mêmes crises. Et donc, nous avons tout compris. Donc, ils ont le temps de détruire ce peuple. Bien sûr que pendant la dictature des Sassou et des Nguesso, le Congo a perdu quand même près de 30% de sa population. Parce que, au vu de l'augmentation de la population indienne en Afrique et ailleurs dans le monde, depuis 20 ans, nous ne serons pas toujours autour de 4 millions d'habitants. Avec les Nguesso, on sera peut-être 7, 8 millions. Même pas 8 millions, mais on sera à 7, 2 millions. Mais chaque jour, le Congo perd. Près de 1000 personnes qui meurent à cause de la condition de vie exécrable. Donc, multiplier ça par le nombre de par an, donc ça fait beaucoup. Et si vous additionnez ça en 10 ans, 20 ans, donc voilà. Donc les chiffres sont aujourd'hui, pendant le régime de Sassou et de Nguesso, le Congo a perdu au moins plus de 1 million et demi d'habitants. Donc, ce pays-là sera réformé, sera restructuré. On a l'intelligence. Les technologies sont disponibles partout. On a compris les erreurs. Mais le problème, c'est au niveau là,
la mémoire, la conscience. Et ceux qui vont régler leur compte, je vous dis que je ne suis qu'un lanceur d'alerte. Il y aura la chasse à l'homme. Il y aura la chasse à l'homme. Ça, c'est sans problème. Avec les coups bas, avec tout ça, partout en Afrique. Et je vous donne le karma pour les bourreaux de Sassou. Si vous voulez fuir la chance, fouillez quand même s'il arrive au moment où c'est jamais. Fouillez en Europe occidentale ou en Amérique du Nord. Voilà. Ailleurs dans le monde, ça sera vraiment de la peur pour les services. Vous foutez le bazar. Vous savez ça? Bon, je vous remercie.